Salut les tricopathes, bienvenue dans mon studio et dans ce troisième épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et ici on parle de tricot. Alors je dis dans mon studio parce que je suis en plein déménagement, donc j'ai rendu l'appart que j'avais en Allemagne dans lequel j'ai filmé les deux épisodes précédents. Et l'appart à Paris n'est pas encore, on va dire qu'il n'est pas encore utilisable pour faire ce genre de choses, enfin il n'est pas utilisable pour y vivre tout simplement pour l'instant. Donc c'est un peu chantier, c'est un petit peu camping, mais voilà, je devrais réussir à faire quelque chose de correct. C'est un peu curieux parce que je vois sur mon écran que mon canapé, donc je suis assise sur mon canapé, qui est également mon lit, bref. Mon canapé a l'air pas droit, alors qu'en fait il est droit. Je sais pas, tu ne m'expliques pas ce mystère. Bref, ça fait un moment qu'on s'est pas vu parce que ben, entre le déménagement, j'ai été malade. Ça a été un petit peu la course ces dernières semaines, ça a été un petit peu compliqué, donc j'ai pas pu faire exactement, m'organiser comme je voulais. J'avais filmé en fait ce podcast déjà, ça devait être le troisième jour de mes vacances, sauf que quand je l'ai regardé, je l'ai trouvé, enfin je me suis trouvée insupportable, donc j'ai dit non, je peux pas monter ça, je vais le refaire. Alors ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais le voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire la même chose que la dernière fois. Moi, j'ai peut-être un petit peu plus de choses à vous raconter quand même parce que ben, comme il y a eu plus de temps, forcément, il s'est passé plus de choses, logique. Et samedi, j'étais à la fête de la laine à Clamart. Donc, je vous raconterai un petit peu plus après. On va commencer, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec les projets terminés. En fait, il n'y en a qu'un. Mais j'en suis particulièrement fière. C'est le Kélias. Alors si je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, à l'endroit. Il rentre pas dans l'écran. Mais voilà. C'est mon châle Kélias. J'en suis vraiment, vraiment contente. Il est tout doux. Je le mets tous les jours depuis que je l'ai fini. Et voilà. D'ailleurs, je crois que je vais le garder pour la suite, le reste du podcast. Ou pas, parce qu'il fait quand même chaud aujourd'hui. Mais voilà, j'en suis vraiment ravie. Je l'ai fait en entier, donc comme je vous disais la dernière fois, en méthode continentale parce que sinon ça m'aurait fait changer de. Enfin, la tension était tellement différente que ça se serait vu. Donc je suis pas forcément allée très très vite, mais bon, j'ai mis un mois pour le faire, alors ça va, ça me semble raisonnable. Il est vraiment super simple et le rendu est très très chouette. Vraiment, j'en suis très contente. Par contre, maintenant j'ai un fil sur. Bref. Le Kélias, voilà. Donc, c'est mon seul objet terminé parce que, ben, comme je vous disais, ça a été un petit peu la course entre le déménagement, la maladie et tout. Donc, j'ai pas eu trop trop le temps de tricoter de manière intense, mais j'ai quand même bien avancé sur mes projets en cours. Petit teaser. Donc on passe tout de suite au projet en cours. Alors, projet en cours, j'en ai deux. J'ai celui dont je vous parle depuis plusieurs semaines, qui est le Boneyard de Steven West. Alors là, on va rien voir évidemment parce que c'est le câble le plus long que j'ai, mais il est quand même trop petit. Parce que je crois que je dois avoir dépassé les 300 mailles maintenant. Du coup, on ne voit rien, mais ça c'est la base. Voilà, c'est un grand triangle en fait. Donc il va y avoir 11 rayures bleues, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je pense que ça, enfin, je trouve que ça avance bien. Alors, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est du jersey et du point mousse. Mais voilà, je trouve qu'il est joli. Alors je vous avais dit que je ferais la partie grise avec du onyx de Madeline Tosh. J'ai pas pris le onyx au final parce que quand je l'ai reçu et que je les ai posés les deux à côté. En fait, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop flashy parce qu'il est quasiment noir. Du coup, j'ai pris le charcoal, qui est aussi, enfin, qui est le même fil de la Tosh Decay, mais qui est un gris plus clair. Et du coup, alors c'est marrant parce que l'un à côté de l'autre, ils n'ont pas l'air très, très proches, mais je pense qu'une fois tricoté, ça rendra différent. J'espère. Au départ, j'avais acheté qu'une seule pelote de charcoal et je me suis sentie vraiment, vraiment très, très bête quand je me suis aperçue qu'il m'en fallait deux. Donc celle-ci, je l'ai achetée vendredi pour pouvoir terminer, enfin continuer au moins parce que, non, je crois que je l'ai jetée, enfin,
Ouais, il devait rester 3 mètres de l'autre, donc forcément c'était un petit peu compliqué. C'est joli, hein, mais c'est pas franchement au niveau de la taille, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc j'ai acheté ma deuxième et je vais m'y mettre cette semaine. Je pense que je vais l'emporter avec moi parce que oui, je vous ai pas dit, mais je pars 2 semaines dans la Creuse avec le boulot et je sais pas si j'aurai beaucoup beaucoup de temps libre, mais j'aimerais bien pouvoir tricoter un peu pour me détendre. Du coup, je vais emmener celui-là, parce que je vais pas avoir besoin de trop réfléchir. Et puis, il y a aussi déjà 5 heures de route pour descendre. Même si je vais conduire un peu, ça va quand même m'occuper. Alors oui, je voulais vous montrer mes petits marqueurs de maille. Mes petits chats. Mince, ils sont tous les deux à l'envers. Mes petits chats. C'est Emma, Air de Lune, sur Instagram, qui me les a très très gentiment envoyés. Ils sont adorables. Merci beaucoup, Emma. Ils sont trop mignons. Donc voilà, le boneyard, c'est du tricot sans réfléchir. Hein. Mais c'est bien aussi. Voilà. Mon deuxième en cours. Alors là, celui-là, ça fait un an que je l'ai commencé. Franchement, j'ai un peu honte. Mais je vais vous dire pourquoi je l'ai arrêté. Alors, c'est le pain de Mathieu. Il est beau, hein? C'est des laines de La Féfile, je l'avais acheté en kit encore avec le patron et la laine. Alors par contre, je me souviens pas. Là, comme ça, j'ai pas les noms des teintes en tête, mais il est sur mon Ravelry, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de précision. Alors, en fait, je viens de défaire toute une section parce que, enfin, une bonne demi-section en tout cas, parce que je me suis aperçue que je m'étais trompée, j'avais pas le bon nombre de mailles. Et je retrouvais pas où je m'étais plantée, donc j'ai décidé de défaire toute la section. C'était beaucoup plus simple comme ça. Ah, hashtag perfectionniste, hein. Et en dehors des quelques difficultés que j'avais pu rencontrer pendant le tricotage, j'ai aussi un petit problème. C'est-à-dire que mes pelotes, elles font des nœuds. Parce que c'était pas encore la période où je prenais les pelotes par l'extérieur. Enfin, maintenant, c'est ce que je fais. Ça marche vachement mieux. Ça fait plus de nœuds. Mais voilà, alors là ça se voit moins parce que j'ai tout rentré à l'intérieur, mais en fait les deux sont hyper emmêlés. Il faut absolument que je les démêle et que je les rembobine. Vous voyez? Je me fatigue toute seule, je vous jure. Hein. Mais en fait, comme c'était emmêlé, j'arrivais pas à le défaire et tout, ça m'a gavé, donc je l'ai mis de côté et puis au final, ben, j'y suis pas revenue tout de suite, ce qui est une erreur à ne pas faire. Parce que je l'aime vachement en fait. Enfin, je veux dire, en plus, les teintes sont magnifiques. Le point est vraiment joli. Il n'est pas excessivement compliqué, mais bon, quand on fait une connerie, ça risque de se voir. Et moi, j'aime pas quand ça se voit. Donc, voilà. Autant pour le Kélias, j'ai réussi à rattraper ma bêtise et à ce que ça se voit pas. Autant là, j'avais pas trop le choix. Donc, du coup, j'avance pas vite dessus. C'est un petit peu décourageant. C'est dommage parce qu'en plus le patron est super bien écrit. Mathieu a fait un super travail, il a fait un tableau où on peut cocher le rang où on en est, etc. Enfin non, il est chouette, c'est super bien expliqué, mais c'est moi qui craque quoi. Donc désolé Mathieu, hein. Mais je vais finir par le terminer un jour. Je pense que je l'emmènerai pas cela dit parce qu'il va demander un petit peu trop de concentration par rapport à ce que j'aurai à lui consacrer. Donc voilà, c'était mon deuxième en cours. Qui est pour l'instant dans un sac My Little Box, mais oh. D'ailleurs, le sac n'est pas très très propre. Mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir le changer de place très très prochainement. Dans mes projets à venir, le prochain que je vais monter, alors non, j'en ai 3 prochains. Je vais faire le test des mitaines de Laure, Camille Kira, sur Instagram. Je vais faire le Mizu Shorelet parce que je me suis acheté des aiguilles en 3,75, des interchangeables de chez Haya Haya, maintenant que je sais comment on le prononce. Et du coup, je vais pouvoir les faire parce que moi je ne ferai pas d'échantillon donc j'aime autant avoir les aiguilles de la taille qui correspond tout de suite. Alors j'ai pris un cap de 80 cm. J'espère que ça suffira. Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais.
Et le troisième que je vais faire, mais là j'ai pas encore acheté la laine, je vais faire une petite surprise pour une copine qui est enceinte. Je vais faire une chaussette pour son bébé, enfin une chaussette d'emmaillotage. Je pense que ça aussi je l'emmènerai dans la Creuse parce que ça devrait pas être trop compliqué et ça sera vite fait. Et comme ça, ce sera prêt à temps pour quand je vais rentrer et quand elle va accoucher, normalement début juin. Voilà. Du coup, on peut passer au truc vraiment intéressant. Mes derniers achats. Sans même parler de ça. Charcoal. Tosh Decay. Acheté à l'oisiveté. Et des dernières aiguilles. Ouais, alors petite parenthèse, pourquoi j'ai pris des Rayaria et pas, j'ai pas cherché. Alors, je sais pas si déjà les Knit Pro existent en 3,75 parce que j'ai un kit de Knit Pro, mais j'ai un problème avec elles, c'est-à-dire que les pointes s'abîment. Alors, vous verrez rien, mais les pointes en bois, bah, en fait, il y en a qui ont une espèce de petit accroc au bout. Et du coup, ben, ça coince la laine, et si ça la coince pas, moi ça me coince, moi ça m'énerve. Et du coup, je me suis dit que les aiguilles en métal, au moins j'aurais pas ce problème-là. Alors, je continue à tricoter avec mes Knit Pro, hein, y a pas de souci là-dessus, mais il y en a certaines qui commencent à s'abîmer un peu, et c'est agaçant. Donc, je suis passée à celle-ci. J'ai acheté plein de trucs pour un swap que j'ai envoyé aux États-Unis il y a une dizaine de jours. Le swap s'appelle Fibershare. J'ai reçu le mien, je l'ai récupéré chez ma maman hier. J'ai été vraiment, vraiment gâtée. Alors, je vous montrerai. Je pense que je ferai une photo Instagram plutôt parce que j'ai déjà tout déballé, tout simplement. Et je trouve ça très, très intéressant, les vidéos unboxing. Donc, je ferai une photo sur Instagram. Voilà, comme ça, vous verrez ce que j'ai reçu. Et du coup, j'ai acheté plein de trucs. À ce moment-là, j'avais acheté plein de trucs, pas que pour moi. Mais entre-temps est arrivée la fête de la laine. Non, et entre-temps, d'abord, est arrivée la vente de Madeleine et Philibert. J'avais encore jamais acheté chez elles. Mais j'ai un peu craqué mon slip parce que je sais que j'ai pas besoin de laine. Hein. Je n'ai absolument pas besoin d'augmenter mon stash. Mais bon, vous allez voir dans mes prochains achats que je suis un petit peu monomaniaque en ce moment. C'est-à-dire que j'ai pris trois différentes teintes de gris. J'ai pris Stuttgart en Big Sock, qui est donc Merino Nylon en fingering. J'ai pris Cologne en Big Sock aussi, qui est donc un gris plus foncé. Et j'ai pris Hambourg en Mairie, qui est du 100% Merino, qui ont donc un gris intermédiaire. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Enfin, non, j'ai commencé à me noter des trucs, mais voilà. Donc, je pense qu'on peut tomber d'accord sur le fait que j'ai pas de volonté. Voilà, j'avais dit que j'achèterais plus rien sans avoir de projet. Et ben, c'est raté. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis faible. Non, blague à part, franchement, elles sont super belles. Elles ont vraiment de très belles nuances. Alors, je sais pas si on les verra très très bien à la caméra, mais ouais, elles ont de très très belles nuances. Et puis, elle les a, enfin, je les ai reçues hyper vite. C'est arrivé tout droit dans ma boîte aux lettres dans la semaine qui a suivi, je crois. Donc, c'était très très cool. J'en suis très contente. Ça, c'est mes seuls achats sur internet. En revanche, j'ai acheté plein de trucs à la fête de la laine à Clamart samedi. Dont ce superbe mug tricopathe de filles d'hiver, puisque Charlotte était là. Elle a eu un succès fou. Je suis arrivée dans les premières. Et je crois qu'avant midi, elle en avait déjà plus de ceux-là. Ou en tout cas, ouais. Oui, non, oui. Avant midi, elle en avait plus de tricopathe. Donc, c'est fait un peu dévaliser, mais tant mieux, hein. Tant mieux. Il est vraiment sympa. Puis, je trouve qu'il me va très bien. Chez Charlotte, j'ai aussi acheté deux petits badges pour ajouter à ma collection. Alors, évidemment, je les ai accrochés ensemble. Donc, le petit badge avec la pelote argentée et celui
avec le cœur doré. Voilà. Ils vont venir se greffer sur mon sac à badge. Bientôt, il va peser plus lourd à cause des badges qu'à cause de ce qu'il y a dedans, mais c'est pas grave. À la fête de la laine, j'ai aussi acheté de la laine. Chez Squirrel's Yarns, c'est de la mérino cachemire nylon. Et c'est avec ça que je vais faire le test des mitaines de l'or. Je pense que ça va être chouette parce que c'est de la fingering un peu épaisse, donc je pense que ça devrait aller. Voilà. Ça, c'est un gris bleu, hein. C'est pas un gris gris, c'est un gris bleu. C'est juste histoire de dire que non, j'ai pas acheté que du gris identique. Ils sont tous différents. J'ai acheté chez Bibounette du gris. Voilà, c'est la 100% Merino Superwash. Il s'appelle la souris de Marie. Et voilà, c'est un gris clair. Quand je vous dis que je me fatigue, j'ai acheté du gris. Voilà. Et une fois de plus, sans aucune idée de projet. Et un sac à projet qui est trop trop cool. Il est vachement grand avec une anse. L'intérieur est super joli. J'adore. Pour la petite histoire, ça me rappelle, et j'y repense juste là, en le revoyant, que quand j'étais à Amsterdam, je me suis acheté une protection de siège pour le vélo que j'avais loué. Et je crois que c'est le même tissu en fait. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est le même ou quelque chose de très très approchant. Voilà, parenthèse fermée. Le zip, c'est super pratique parce que en règle générale, moi j'ai plutôt des sacs à projet avec des cordons, vous savez, sur lesquels on tire. Mais là, c'est vrai que enfin, ça évite que tout se balade, ça évite la poussière. Alors c'est sûr que pour faire passer le fil quand on tricote avec le truc de long, c'est pas forcément super pratique, mais en même temps je me dis que je peux le retrousser comme ça, le poser sur la table et avoir le fil qui sort, ce sera pas gênant. Et que du coup ben, quand je transporte ça dans le sac, y a rien qui se promène. C'est mignon, il y a un petit truc qui brille. Donc voilà. Gros coup de cœur parce que j'avais pas du tout prévu de l'acheter, d'acheter un sac à projet, mais vous verrez que j'ai eu un deuxième coup de cœur dans ce domaine-là. Voilà. Donc un joli sac à projet chez Bibounette. Et mon dernier achat, c'est un autre sac à projet chez Tricot et Stitch. Non, il est beau, sans déconner. Hein. Là, pour le coup, c'est beaucoup, beaucoup moins sobre que ce dont j'ai l'habitude. Et j'ai pris la petite pochette assortie avec les tongs. Je crois que j'ai besoin de vacances, en fait, c'est pour ça. Voilà. Et donc, dans la pochette, elle a l'intérieur qui est assorti à ça. Voilà. Donc, je suis ravie. Je suis ravie de tous mes achats. La fête de la laine, c'était hyper sympa. Il y avait plein de jolis stands. Tout le monde était super... super sympa, super souriant, et il y avait des moutons dehors, parce qu'il y avait une ferme pédagogique qui était venue, donc des moutons dehors, c'était super mignon. Le stand d'alimentation s'était tenu par une association qui vient en aide aux femmes dans la guerre, dans les zones de guerre, si je me trompe pas, et c'était super bon, parce que pour moi, la nourriture est un point très important dans les salons. Mais non, d'une manière générale, je crois que c'était la première édition et vraiment super réussie. Alors je suis arrivée évidemment le premier jour dès le début, mais donc tous les stands étaient encore pleins. Mais il y avait plein de choses, il y avait pas mal de monde, j'ai trouvé, et vraiment, vraiment une réussite. Et j'en profite pour remercier les filles qui sont venues me dire bonjour pendant que j'étais donc à la fête de la laine. Ça m'a fait super plaisir, je crois que c'est la première fois qu'on me reconnaît comme ça. Et vraiment, merci beaucoup pour vos remarques et vos compliments sur le podcast. Ça me touche énormément. C'est aussi pour que ça vous plaise que je l'ai fait. Enfin, c'est surtout pour que ça vous plaise que je l'ai fait. Donc ça me fait vraiment plaisir que,
que ça vous plaise. Voilà. Donc merci encore. Et puis ben, si à l'avenir vous me croisez ailleurs, n'hésitez surtout pas à venir me dire bonjour, je ne mords pas. Hein. et je serai toujours ravie de faire votre connaissance. Voilà. Non, je voulais vous parler d'un dernier truc avant de partir, avant qu'on se sépare. J'ai fait au début du mois d'avril un challenge qui s'appelle le challenge Initiate Knit Design, donc pour s'entraîner au design en tricot. Et j'ai fait un truc, voilà. Donc j'ai fait mon échantillon, parce que j'ai fait mon croquis et tout, et mon échantillon. Ça donne ça, alors je sais pas si vous verrez grand chose, parce que moi je suis hyper forte pour trouver la laine qui me plaît, mais qui met pas du tout en valeur le tricot. Là en l'occurrence c'est un joli bleu marine, c'est de la guéret de Fonty. Et donc le motif c'est des feuilles, des flammes, enfin voilà. Je sais pas encore ce que ça va donner au final, parce que ça me plaît beaucoup, mais je me dis que par rapport au projet que j'avais en tête au départ, c'est peut-être pas une super bonne idée. C'est peut-être pas ce qui mettra le mieux en valeur. Donc le challenge en fait, ça durait 10 jours avec une leçon tous les 2 jours. Enfin une leçon, une leçon avec des devoirs tous les 2 jours pour aller de l'inspiration, l'imagination à la création d'un patron. D'un patron fait soi-même, perso. Voilà. Alors, je suis pas allée au bout, je vous le cache pas, parce qu'après, il y a eu le déménagement. Enfin, une fois que j'ai eu fini ça, en fait, je l'ai fait, je l'ai bloqué. Puis après, il y a eu le déménagement, il a fallu que je m'occupe un peu d'autre chose que de mon projet de design. Mais j'y reviendrai parce que ça m'a vraiment, vraiment plu. Et j'aime beaucoup ce motif. Alors, je l'utiliserai, c'est sûr, mais sous quelle forme, je sais pas encore. On verra. En plus, moi, je suis une fille qui aime bien mettre des difficultés supplémentaires. Alors, comme si c'était pas assez difficile déjà de créer son premier patron, j'ai décidé d'utiliser un motif qui n'existe que sous forme de diagramme, n'ayant jamais tricoté en diagramme, enfin avec un diagramme. Donc, c'est la repousse. Je suis désolée. Je disais, le coup du diagramme, c'était peut-être pas l'idée de l'année. Mais au final, je suis contente parce que ça m'a permis de me rajouter un petit peu d'intérêt au challenge et d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Et après tout, c'est aussi pour ça que je fais ce genre de défi, c'est pour apprendre de nouveaux trucs et dépasser un peu, sortir de ma zone de confort, pour reprendre une expression très à la mode en ce moment. Donc le challenge a bien rempli son rôle dans ce domaine-là et ça m'a beaucoup plu et je sais que j'y reviendrai, voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vérifie mes notes. Mais non, c'est bon. je vous ai raconté tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, moi, je vois 23 minutes, finalement, ça a été. Hein. C'est pas beaucoup, beaucoup plus long que d'habitude. Ah si, regardez. Quand on achetait des trucs à Charlotte, elle mettait une petite carte. Merci de soutenir les petits créateurs. C'est vraiment adorable. Et un petit autocollant. C'est les petits gestes qui sont... les petits gestes qui font plaisir et qui donnent envie de revenir, voilà. Donc, merci. Merci à toutes et à tous, parce que je sais qu'il y en a au moins un, salut à toi, qui est allé jusqu'à la fin de ce podcast. Merci de regarder, merci de supporter mes élucubrations pendant presque 25 minutes. C'est pour vous que je fais ça. Et ouais, ben à la prochaine fois, et en attendant, tricotez bien. Bye bye.